Première finale difficile pour les favoris puisque le champion d'Europe en titre a chuté. Il est pour l'instant assez loin en classement. Il ne sera certainement pas sur le podium. Et finalement, Laurent, ça nous donne une finale extrêmement ouverte parce que, outre Mélissa Denis, le champion d'Europe, on verra tout à l'heure Dieter Rehm, l'Allemand. Mais sinon, on n'a aucun des finalistes des derniers champions du monde et quelques rares finalistes des derniers champions d'Europe. Bref, c'est peut-être la première finale qu'on pourrait qualifier finale des outsiders. Finale ouverte, vous l'avez dit, effectivement, à partir du moment où les favoris chutent, eh bien, la place est ouverte, les places sont ouvertes pour des gymnastes comme ici le Letton qui vient d'exécuter un Tsukara double salto arrière. Regardez, rondade, impulsion bras, un tour, deux tours, réception difficile, mais mouvement par contre très très difficile. Yevgeny Sapronienko, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir des Lettons, mais que c'est exactement l'illustration des propos que vous teniez en ouverture lorsque nous avons pris l'antenne. C'est que lors de cette dernière journée, il y a pas mal de petites nations qui ont réussi à glisser ça et là quelques finalistes, et c'est tant mieux, ça change un petit peu, en tout cas. On ne faudra pas oublier quand même qu'il y a deux Chinois dans cette finale, Yang et Li, et que ceux-là, ils se disent qu'il y a peut-être une médaille à prendre. Deuxième saut, il est bien placé le Letton avec un 9,637 en première note. Mais c'est vrai qu'il a l'occasion, pourquoi pas, s'il réalise un joli deuxième saut, eh bien, de prendre provisoirement la tête. Et l'une, double salto avant groupé. Alors là, il y a les doubles rotations arrière et double rotation avant. C'est deux notes qui partent sur 10. Donc c'est le programme maximum à note de départ. Les difficultés également sont celles de plus haut niveau, puisqu'il s'agit quand même d'une lune double salto avant. Et Tsukahara double salto arrière. Ici, regardez l'impulsion. Premier tour, deuxième tour, ouverture. Chercher dans le sol. Ouais, c'est pas mal, hein, parce qu'il va très certainement occuper la tête. Pour combien de temps, ça c'est une autre question. Mais le Letton Sapronienko va très certainement, regardez, il ose esquisser un sourire tout de même. C'est formidable pour ces nations de gymnastique qui sont pratiquement inconnues, c'est vrai. Des petites nations. Sur le plan international, qui arrivent à se placer et figurer. Surtout les pays baltes, hein, ce sont des tout petits pays. Alors 9,656 et la première place